Voilà, je suis c'est vrai politicien, mais je suis aussi un amateur de football. Et c'est vrai qu'en Europe, tout le monde connaît le club du tout puissant Mazembe. Et c'est vrai que d'être à Lubumbashi sans passer ici au stade, c'est impossible. Alors après la visite, je me suis dit que j'ai vraiment bien fait de venir. Et que voilà, c'est clairement des résultats que je vais continuer à suivre. Et je pense que c'est un club qui a su s'adapter, qui a su changer la logique, qui a su un peu bousculer les habitudes. Et aujourd'hui, on voit les résultats. On voit, je dirais, les résultats, et ici au Congo, mais aussi au niveau international. C'est vraiment, je pense, une belle image, non seulement du pays, mais aussi de la province et de la ville de Lubumbashi qui est portée un peu partout, en Afrique, mais aussi en dehors des frontières africaines. Vous connaissez quelques noms de joueurs de Mazembe? Alors nous, le joueur qu'on connaît le mieux, évidemment, en Belgique, c'est Hugues Mercier Mbokani, qui a commencé sa carrière ici. Je pense un peu à lui pour le manche, je pense qu'il aurait aimé un meilleur résultat à la CAN ces derniers jours. Mais c'est vrai que chez nous en Belgique, c'est un peu le joueur vedette. Il vient de recevoir le soulier d'or, donc c'est un petit peu la formation du Mazembe qui a été récompensée au niveau belge. Attends.
gouvernement belge qui a voulu, à l'occasion de sa visite à Lubumbashi, se rendre compte du travail fait par l'équipe du TP Mazembe, conduite par le président Moïse Katumbi. Donc c'est une grande joie et un énorme plaisir, un grand honneur pour le TP Mazembe de recevoir les hôtes de cet acabit. On n'a jamais fermé ses portes. Vous savez que parmi les attractions touristiques de la ville de Lubumbashi, il y a maintenant aussi le stade TP Mazembe. Donc c'est une fierté pour la ville, pour la province et pour le pays. Donc nous, on s'ouvre au monde et le monde s'ouvrira aussi à nous.